Cela me fait illusion de suivre Chico Lucarini. Un jour, il rencontre des terminants dans ce projet, accompagné par les présidents des délégations spéciales de la préfecture du Nord et de la commune de Thierry. Merci encore une fois. Nous allons à présent écouter le discours du contributeur de M. Chico Lucarini. Monsieur le directeur des affaires publiques, représentant son excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Togo, Monsieur le président de la délégation spéciale de la préfecture de Zéon, Monsieur le représentant, Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Djédié, Monsieur le directeur du protocole de la NASAP, Monsieur le représentant de Madame la coordinatrice du projet Region City, Madame la députée à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Madame la commissaire de police, Vénérable chef de canton de Djédié, Vénérable chef traditionnel, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette rencontre. Il me plaît également, en table de mon allocution, de réitérer le souhait de bienvenue à tous les participants, particulièrement Monsieur le représentant de l'ambassadeur des États-Unis au Togo, ainsi que toute l'équipe qui l'accompagne. À tous et à chacun, merci d'avoir bien voulu répondre présent à cette rencontre. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, ce projet que vous connaissez autant que moi, met l'outil numérique au service de la décentralisation et du développement local dans un cadre participatif et inclusif. Il vous souvient que le 27 septembre 2018 était lancé ici même ce projet nommé Projet Union City. Dès lors, une équipe dynamique avec l'ensemble des acteurs que nous sommes ont mis à l'œuvre le petit projet, notamment sa phase pilote et à court ancrage la commune de Djédié. Après 3 mois de cette mise en œuvre, si à ce jour nous convenons tous des résultats qu'ont engagé ce projet, il faille faire également une évaluation globale de cette mise en œuvre afin de voir le niveau d'atteinte des objectifs et lancer leurs perspectives qui s'imposent. C'est à cet impératif que nous consacrons la rencontre de ce jour. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, il me plaît de remercier les jeunes de la communauté Milantou, initiateurs de ce projet innovant. Mes remerciements vont aussi à tous et à chacun des acteurs que nous sommes. Coordination du projet, conseil de préfecture, conseil de mairie, force de l'ordre, chefferie traditionnelle, service conseiller, les CDQ, les citoyens, pour votre contribution à la mise en œuvre de cet important projet. Nos sincères gratitudes vont à l'endroit de l'ambassade des États-Unis et surtout à l'endroit de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, son directeur des affaires publiques, pour le leadership qu'ils ont personnellement voulu insuffler à ce projet. Ce projet vise à contribuer à la participation citoyenne et à la gouvernance locale qui est justement poursuivie par les plus hautes autorités dans le processus de développement de notre pays. C'est ici l'occasion de dire toute notre gratitude
Le gouvernement, pour tous les efforts qu'ils ont consentis pour impulser un développement inclusif et participatif à la base. Ceci dit, cette réunion d'évaluation à la fin nous permettra, entre autres, d'évaluer les activités menées dans le cadre du projet, d'identifier les différents boulons d'étranglement et trouver les différentes pistes et réfléchir ensemble sur les orientations à donner à ce concept pour le futur. Mesdames et messieurs, de ce qui précède, vous pourrez sans doute vous rendre compte de l'importance du cahier de charges de la rencontre de ce matin. C'est alors l'occasion de vous convier ou de nous convier tous à un travail minutieux, à des débats francs et constructifs qui ne fassent économie d'aucune idée constructive. Je suis convaincu et ne doute qu'un seul instant que de cet atelier sortiront les meilleures propositions afin de permettre de la bonne mise en œuvre de ce projet dans sa seconde vie pour le bien-être de nos populations. C'est sur ce vœu, mesdames et messieurs, mes invités, et en souhaitant plein succès à nos travaux, que je déclare ouvert l'atelier de l'évaluation finale de la phase pilote du projet Neyon City. Je vous remercie pour votre énorme attention.